Et bonjour. Bonjour, messieurs, dames. On va poursuivre ce petit décu. Le petit café. Bonjour. Bon, j'ai toujours un souci de. J'ai l'impression d'avoir une tache bleue sur la cam. Pourquoi? J'en sais rien. Toujours des problèmes, évidemment. Ça, c'est. C'est magique. C'est juste pour moi. C'est relou. Je sais pas pourquoi. Ça changera rien. On va passer sur la scène de la Switch. Par contre, le jeu. Merci. La musique après. Allez, l'HDMI 1. Voir c'est moi qui vois mal, je sais pas. Aucune idée. Bref. Zou. Hop là. La webcam. On va décaler. Hop là. Et zou. Bon, évidemment, je commence tout d'abord par. Fêter aujourd'hui une date importante, le 2 octobre 1992 est né un certain Caillou. Voilà, il fête aujourd'hui son 76e anniversaire, évidemment. Je te fais des bisous. Évidemment, Caillou c'est mon frère, mon petit frère, et donc évidemment il n'a pas 50 et quelques années. Bref, on poursuit, alors qu'est-ce que j'ai fait en stream? En stream en fait j'ai, ah, d'accord, c'est la journée, tant mieux, qu'est-ce que j'ai fait en stream? J'ai surtout, hop là, on voit quand même, ouais, c'est pas mal. Bref, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de l'équipement. Enfin, j'ai rien acheté. Mais j'ai fait. Si, j'ai acheté le bouclier de bronze, je crois. Mais sinon, j'ai fait l'armure de fer plus 2, le home de fer plus 2. J'ai fait le plastron de fer plus 2. J'ai fait la blouse retardante magie plus 2. Et le plateau d'or plus 1. Ça me fait toujours des trucs en moins à acheter. Qu'est-ce que j'avais acheté ici? Je ne sais plus. Alors, ça c'est bon. J'avais pas fait le bouclier de fer. Ah, je l'ai peut-être pas. Ou alors je l'ai pas équipé. Pas fait mon bouclier, non. J'étais sûr d'avoir fait, je vais voir vite fait, je vais me foutre au camp, hop, et oui, oui, doup, et oui, Alta, bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une pas trop mauvaise journée. Ah, tu mangeais mes frites. Je manguais mes frites. Avec deux thé et pas de E à manger. Oh, quelle tristesse. Je suis déjà chié, putain. Le pire. Armure. Bouclier. Ah non, je pouvais pas le faire. D'accord, bon. Je suis en train de me curer les dents, mais avec des petits ongles crados là, parfait. Parfait pour se taper un panari, c'est tout ce qu'on aime. Ah putain, je peux pas bien écrire avec un peu d'humain, bah je vois ça.
Incroyable, ces hommes qui ne savent pas faire deux choses à la fois avec une seule main. T'as des cure-dents à la maison? Bah, j'espère bien. Il manquerait plus que ça. Ah, là. Alors que nous à l'école en ce moment c'est enfant Panari édition. Il y en a déjà trois qui ont eu des Panari. Du coup j'ai un peu peur. Vu que je chope en général ce qu'ils ont, j'évite de les toucher ces enfants. Bah du coup on va prendre le bouclier de fer. Hop. Ok. Très bien. Alors normalement je devais aller au doc. Non, pas au doc. Je sais plus. Non, c'était pas là. Merde, je sais plus. Si c'était au doc. Allons au doc, je me souviens plus. Doc Eddie Fool. Cette blague ne peut être reconnue par les moins de 20 ans. Enfin, cette blague. C'est pas une blague. Alors. Scusa. Ça peut choper un Panari? Je pense, ouais. Enfin, j'irai pas essayer. On en a eu un qui allait à l'hosto parce que, visiblement, le Panari était gros comme ça. Gros. Voilà. Faisait tout le doigt, donc c'était un peu chaud. Et il y en a deux autres qu'on a eu aussi, donc on se calme. Très grande à l'est de la rue principale. Ok, c'est bien ça. Chercher la baraque du Doge en rond tout dos. Alors, donc ça va être celle en face. Je suppose. Moins de 20 ans, t'es même encore large. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est toi? Ce n'est pas toi. Voilà. Ouais. Attends, Doc Eddie Fool, c'était dans les années. Dans les 90. Donc. On est presque en 2020. 30 ans. Ah, quand même. Ceux qui ont 25 ans, ils ont dû connaître, non? Moins de 20 ans, just. J'espère que tu feras une recherche Wikipédia pour savoir exactement. Merde, on peut pas. C'est verrouillé. Maison du Doge. Ah voilà. Forcément, j'aurais suivi la carte. Ça aurait été beaucoup mieux. Voyons s'il est chez lui. Toc toc toc. Là, on fait gaffe. On rentre pas comme ça. J'arrive. Oh, belle moustache. Nous allons voir le Dogo. Des êtres. Bon. Lui, il a un problème avec avec moi déjà. Mais attendez. Taisez-vous. Bolto Gentile, ouais. Ah. Serena. Oh putain, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Mortel. On va sortir cette caméra. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ah, mais c'est lui, celui qui nous avait mal regardé. Bonne claque dans son gueule. Bing. Ah, sa baguette, c'est un bâton, mais bon. Eh, GG, Eric. Voilà, hop. Voilà, on agit comme Eric. On prend et on redonne. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et là, bang, elle lui met un coup de bâton. Ah, il pousse, il fait caca. On joue au mime, c'est ça? C'est un Pictionary. これはラットで、こいつは町の役員。こいつはこの町の町長。ラ、こいつはよく一緒に遊んでたんだけど、数日前に声が出なくなっちまって。何があったのか聞いても分からなくてさ。それで魔法使いの杖でも使えば。カピチェ。え、ウィ、カピチ。しょうがないか。 喉にとても強力な呪いがかかってるよ。あは、ソルティエ。清き泉の水。そいつが手に入れば。この町から西の方に川を遡っていくと、霊水の洞窟ってところがあってさ。お、なんか、お姉ちゃん。俺たちには小さい時からずっと兄弟みたいに仲良く泥棒をしておいてなんだけどさ。 Mais oui, on va l'aider, ce petit. Arigato, onichan, onichan. Bah oui, toi, tu vas rien foutre, évidemment, comme d'habitude. Nous sommes dans un JRPG, c'est à nous de tout faire. Alors. Mais je sais. Scusa, scusa, ouais, bon, allez, hop. Ok, bon. Donc, on va sortir de la ville. Quand on arrive en ville. Alors, je vais peut-être me reposer pour être full. Et je crois que c'est derrière. Faut que je passe là. Buenos dias. Ouais, on passe la nuit. Hey, salut Kane! Comment tu vas bien? Tu streams pas ce soir? Comment se fait-ce? Pas de jeu pas cool? Ou alors un peu de farm? Oh là là là! Nope. Il a fini. Il a fini Star Wars. Et est-ce que ça se finit, Summoners Wars? Ça c'est un truc que dont j'imagine. En fait, sur Summoners Wars, est-ce que tu peux vraiment finir le jeu en fait? Ou est-ce qu'à chaque fois ils ajoutent, je sais pas, des démons, des machins, des trucs? Ça, je voudrais bien voir. Muto Bene, ok, par là, non, on peut pas. Ok. Les petits points lumineux. Ok, il y en a plusieurs. Un tout à gauche, trois en haut et deux en bas. Ok, on y va. Ah oui, c'est vrai, il y a le machin brillant. Merde, niqué. Non mais tu pourrais très bien avoir une fin et puis petit à petit t'as des add-ons etc. Ça... Comment dire? Il y a une évolution.
voyez ce que je veux dire, quoi. Sans fin, c'est une sans fin. Oh bah, les MMO, il y a des fins. Je suis pas d'accord. Après, c'est du farm de d'instance ou des choses comme ça. Mais je, il me semblait que quand je jouais un petit peu, quand j'avais testé un peu. Putain, je vois que Star Wars, c'est une horreur. Quand j'avais testé. Ah merde, c'était quel jeu? Je sais plus. Le jeu dont je te parlais à un moment quand, quand je venais jouer à des jeux pas cool. C'était quoi? Kings, je sais plus quoi. Je m'en rappelle plus. Kings Red, peut-être. J'ai plus le nom en tête exact. Et bref, il y avait je sais plus combien de. D'espèces d'air, enfin d'air en gros, où tu fais du 1.1 au 1.15 plus le boss, et ensuite tu allais au 2.1, 2.3, etc. Et là, et le maximum ça devait être 9.15 ou un truc comme ça. Mais après tu étais en farm avec des. Comment dire, des difficultés supérieures, quoi. Mais je me rappelle plus si justement ton jeu il fait la même chose. Parce que je me souviens qu'il y avait les défis là. Point. Oh merde, raté. Le contre. C'est vrai, voilà. Et salut Galadi, comment vas-tu? Qu'est-ce que ça donne PoE? Hop là. Et oui, je chevauche un frelon. Vis ma vie de chevaucheur de frelon. Alors, après c'est en haut. Là-bas. Hop, une hauteur sacrée. Tout au fond. Eh oui, je ne peux pas y aller sur le dos d'une monture. Allez, monte. Non, tu ne veux pas monter. Si. Allez, allez. Alors, ici. Et il y avait autre chose. Juste en dessous. Ah bah il est en face de moi, d'accord. Hop là. Ok. Et ensuite, on continue. Moi j'ai atteint mon niveau 81 dans PoE. Ça m'étonnerait que j'aille beaucoup plus loin, mais bon. C'est beau déjà. Allez, hop, merci. Mais bon, je suis en map, je commence à m'ennuyer. Donc c'est pas le moment que je joue. C'est terrible, hein. Moi dès que j'arrive en map, je vois encore tout ce qu'il me reste à faire, ça me fait peur. C'est terrible. Alors, Fonte Sacra. D'accord, ça va être là-bas que je dois aller. Point lumineux, donc il y en a à gauche. Hop là, toi, t'esquives Jean-Yves. Ah, ben tiens, prends ça, j'ai eu peur, j'ai tapé. Moi quand j'ai peur, je tape. Hop. Suçant. Voilà, parfait. Hop.
peut-être éviter de taper trop fort avec le truc. Oh putain, il esquive. Lol. Spwing. Là, j'aurais dû améliorer la dague de machin. Enfin, j'y pense la prochaine fois. 13, putain. Zboulé. Tabidabdab. Aile de chauve-souris, ok. C'est cool. Hop, le gluant. Un groupe de méduses. Mais ça, c'est pas des médigluants, c'est lesquels ceux-là? C'est juste méduse. Ok. Soit. Bon. Ok, c'est bon. C'est vrai, 74, ça fait mal. Ça pique. Ouh, tu testes le cobra lâche. Ah, qu'est-ce que ça donne? Je sais que Sapman il fait du cobra lâche aussi. Ou il a fait du cobra lâche, je ne sais plus. Il avait bien kiffé. Juste à gauche. Vilain. Exécrable. Un petit bang. Zbray. 21. Ah, personne ne se montre. C'est mal. Un peu déçu, mais. Bing. Dans ta gueule. Voilà. Comme ça. On claque des ennemis ici. Pas une poussière de verre, ok. Je pense qu'il va falloir monter de toute manière. Laissez-moi tranquille. Putain, un vieux. Un Karzold. Mais, what? D'accord. C'est vrai que j'ai oublié que j'avais là un groupe de Majask. C'est quoi ce... Putain, ils font mal. Putain. Ça, c'est vraiment des Karzold. Pensez au mec dans Tintin là, je sais plus dans lequel, dans le dessin animé de Tintin là. C'est dans lequel, merde, je sais plus. C'est dans... Celui qui joue avec son pendule là. C'est dans l'oreille cassée, non? Je sais plus. Il me fait tellement penser à eux. Oui, ça pique. Est-ce que Majak aura un rapport avec Gérard Majax? Peut-être. Encore en bas level, j'ai pas une idée de ce que ça vaut, mais c'est plutôt marrant, en griffe ça remonte. Ouais, c'est ce qu'il me disait aussi. Que le fait que ça rebondisse, c'était quand même assez assez jouissif à jouer. Ouais, 18, cool. Sylvando, donc ils prennent aussi de l'XP, très bien.
Merde, je voulais justement utiliser mes points de compétences. Hexagramme. Parce que je pense que Eric, maintenant, il a ses points pour utiliser le truc là. Yes, dieu d'arme. Nickel. C'est ce que je voulais utiliser, c'est parfait. Alors du coup, équipement Eric. Hop. Du coup, il fera deux fois plus de dégâts normalement. On verra ça. Et ouais, du coup, Sap me disait que ouais, c'était vachement, vachement drôle à jouer. Ce dont je ne doute pas. Il faisait penser à une espèce de... Comment ça s'appelle déjà, Blade... putain, je sais plus le nom quoi. Eternal Knives, non? Un truc comme ça. Hop là. Yeah. Ouais, Eternal Knives. Ouais. Le truc qui traverse les ennemis là. Je sais plus comment il s'appelle exactement. Salon. 65, tu te fous de ma gueule. Mais vous avez fini quoi? C'est quoi cette blague? Mais je suis vraiment con. Ok. Je voulais voir. Baguette. Okay. Faire des effets qui restaurent doucement les PM de soi lors des combats. Ok. Pouet. Et bam, 41 ta gueule. 27 et 9. Ok, c'est pas mal. Premier secours sur Veronica. Ah putain, ça va être l'enfer ça. Je peux peut-être faire tornade. Yes. Parabapain. Tu travailles au bon moment toi. Hop. Bling, allez, cassez-vous. Daisori 18. Parfait. Méga altération. Alors dans les cannes. Par magie. C'est un canon de grande chance d'empêcher un ennemi de lancer des sorts. Ok. Et en bas on a quoi? Plus de points de magie. Aura de peur. C'est pas mal ça quand même. Hop. En dessous il y aura quoi? Instance glace et vent. Ok. On verra plus tard. Il me semblait qu'il y avait un truc bleu par là. Ouais. Yes. Ah bah très bien. Je cherche un truc comme ça. C'est cool. On va continuer. Bon, ça a été vos journées, les gars, n'empêche. Est-ce que ça vous a pas trop saoulé? Cette maudite journée du mercredi, comme dirait l'ami Creep. Hop. Parce que moi, ça m'a bien gonflé. Comme à peu près chaque journée, mais bon.
Putain, on va droit, ok. Passer par là. Le petit coffre. Là-bas, il y a un camp. On va peut-être aller save en premier. Tac. Bon, une journée classique pour Altaï. Casse-couille, mais pas trop. Hop. Ouais, mini médaille. J'ai toujours pas trouvé à quoi elle servait dans celui-là. Bien. Je suis passé devant. Allez, c'est moi. Bam. Dans vos petites gueules. Bam, le gluant bulou. C'est la plupart de mes collègues sont en télétravail le mercredi, le bureau est au calme. Ah putain, si je pouvais seulement bosser en télétravail. Mais dans l'animation et la bibliothèque. Difficile quand même, difficile. Mais c'est clair que putain. Comment je ferais que ça moi du télétravail si j'en avais la possibilité, putain. J'ai pas foutu grand chose le matin. Taf, fin d'après, je voulais peindre un peu de la figouille. Ah bah les figurines, c'est vrai. J'ai maté les rediffs du Zeven car j'ai pas pu le suivre ce week-end. Ah, je n'ai rien suivi non plus. Après c'est pas des. C'est pas les trucs qui m'intéressent trop. Je mate surtout les GDQ. Enfin, la GDQ et la SGDQ, donc en hiver et l'été. Enfin, en tout cas, je matais avant. J'avoue que maintenant j'ai un peu moins de. Comment dire. Un peu moins d'entrain à regarder ça. Ah putain, c'est 12. Merde. J'attends le prochain level alors. Oh, deux. Chouette. Bam, prends ça. Oh, remarque, t'aurais pu peindre tes figurines en matant le Zevent. Enfin, les rediffs. Mais ouais, c'est un truc que j'ai. Que je mate plus vraiment en fait. J'ai beaucoup regardé entre 2012 et 2017. Et je crois que je me suis un petit peu lassé. Malheureusement. J'aime bien mater du speedrun, mais. Quand c'est souvent les mêmes jeux qui reviennent, ça me gonfle au bout d'un moment en fait. Et puis ben, les events c'est pas du speedrun, ça m'intéresse pas quoi. Donc voilà. Allez bien, le coup. Kerzo le coup. Anti-poison. Hop, allez. Petit repos. Ah, level up. Cool. Alors, est-ce que je pourrais faire une nouvelle dague? Non. Ok, dans ce cas-là, bien. Retravailler un objet. Et je voudrais retravailler son poignard empoisonné. Cinq perles. Peut-être mieux que je garde ça pour plus tard. Ouais, on va garder ça pour plus tard, c'est pas grave. Ok.
Hop. Puis c'est pareil, Zerator, je sais pas. C'est pas trop mon kiff, on va dire. Déjà, j'ai du mal avec les vidéos qui sont derrière un paywall, même des rediffs. Ça me pose un petit souci à moi-même, évidemment, comme d'habitude. Je suis pas très fan de ce genre de truc. Je trouve ça un peu dommage de foutre un paywall derrière une émission. C'est un peu dommage. Enfin, faut être abonné en tout cas pour voir les rediffs. C'est un peu dommage. Alors, pop 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 wait. Ah, Champitox. Ouais, c'est pas mal, mais après faut pas trop non plus en faire, parce que la plupart de la thune vient quand même sur l'ensemble des streamers qui sont réunis. Ça vient de quoi, de 5-6 streamers sur je sais pas combien, une trentaine. Je pense que les deux tiers voire les trois quarts des dons sont faits grâce à ouais, 5-6 streamers quoi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Coffretto. Hop. 55, ouais. C'est encore pire en fait. Mais ouais. Mais c'est propre hein, ce qu'ils font. GG à eux. Ça là-dessus. On peut pas leur retirer. Mais quand c'est un peu trop et ça me plaît pas parce qu'au final comme j'ai dit avec Twitch c'est pas une émission de télé quoi. L'important c'est l'interaction que t'as, même si là c'est des trucs spéciaux, mais bon. Toujours du mal avec ce personnage. Mais ça va. Petit coffre. Petit coffre. Œil vert. Oui, j'avais déjà eu un œil comme ça. Est-ce que c'est un item spécial?
pas l'air. Perle des mêmes. Ok, non, ça a l'air d'être des items avant. Ok. Bon. On va essayer de pas crever sur le boss. Un monstre de corail. Quoi, je vais peut-être save avant. J'ai fait l'autre partie. Histoire de pas qu'on se retape tout ce bordel. Par là. Je préfère perdre 2 minutes à save que perdre 10 minutes à refaire ce qu'on a déjà fait. Être très intéressant. Hop. Tain. Pouit, 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 pouit. Ok. Si je le vois, il y a un passage là aussi. Non, laisse-moi s'il te plaît. Non, il n'y a pas de passage là. Ok. Non. Laisse-moi, petite grenouille. Ok, on les voit ce bordel là. Il me fait penser au boss dans Rayman 1. Vous savez, le, je sais pas si vous y avez joué, mais je parle, je suis un vieux. Hein. Et le boss du troisième tableau, quatrième, quand on est dans la montagne, il y a un boss golem. Il me fait penser à lui. Des Koros, d'accord, ils sont deux en fait. Ok, ça nous fait un somnifère. Parfait. Pour endormir celui-là aussi, ce serait cool. Yes, les deux qui dorment. Alors. Très bien. C'est cool. Les deux dorment toujours. Percepteur. Tiens, prends ça. Ça va te faire du bien. Ok. Oh, deuxième. Généreusement la défense et les soins magiques. On va attendre encore un petit peu. Protection sur Veronica. Pouit, pouit, pouit. D'accord, pas. Ça fait un moment. Ouh. Là c'est intéressant. L'heure de pointe ou état sauvage. Caractéristique non négligeable. Vas-y, hop, on essaye. C'est Vegeta quoi. Stylé. J'aurais attendu, bordel. Tant pis. Merde, j'ai fait altération. Je vais me défendre. Je serais utilisé Eric. Ah merde, il se réveille, putain. Dommage. Tant pis. On va taper. 113 points de dégâts. Bing, terminé. Bon, easy.
Easy les petits boss. C'était un boss ciné. L'eau doit être ici. Wow. Ça me paraît un peu trop simple. Essayons de sauver ce pauvre Placido. Oh, c'est beau. Le petit rossignol. Ok. Bah du coup... Ça marche. Il n'y a rien d'autre à se récupérer. Donc on va y aller. J'aurais pu me TP aussi. C'est pas grave. Ouais, je vais quand même essayer de prendre le level pour Serena. Ça serait pas trop mal. Seed Bang. What? Ah oui, bye. De justesse. Merde. Prenez ça, les épileptiques. Empoisonnés et paralysés. Parfait. Bah prenez du bang. Ouais, hop. Tant pis pour vous. Taisuri. Merde, je me suis pas soigné, je crois, du poison. Oh, oh putain. Ça va être chiant. Véronique, elle a une crise d'épilepsie. Non, pas torpeur. C'est pas la même puissance. Tornade. Oh, un pouf pouf. Ouh là là. Ah. Merde, ça a marché. Bing, dans ta gueule, petit. Ah, rappel, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser avec elle? Talent à la harpe. Soin magique, ouais. Ça, c'est avec les baguettes. Ok, donc on va prendre ça. Du champ de la terre. Pour
coûte ça également. Son magique avec la baguette. Vas-y. Et alors on a un régal du diable. Attaque qui peut infliger de gros dégâts aux démons et qui les séduit parfois par la même occasion. D'accord. Et légère récupération des PM après un combat à la baguette. Oh, ça on s'en fout, on garde ça pour plus tard. Ok. On verra pas. Merde. Et je me suis toujours pas sauvé. Putain. Je vais pas y arriver. Glambule. Putain, la deuxième main elle est inutile, c'est un enfer. Un petit bang. Putain de transe. C'est pas vrai. Une petite tornade. Un rappel, c'est combien de points de magie? 12. Ok. Ça va. C'est pas vieux. Cette fois, on va se soigner. Voilà. Hop. Et on va remonter par là. Merde, le coup. Ah bah, il y avait un coffre. Œil bleu. Ok. Allez, hop, je me barre. Courageux, mais pas téméraire. Comme on dit ici dans le bouche au noir. Hop, allez, on se barre. On va aller sauver le fils du forgeron. Hakim, fils du forgeron, est venu me chercher. Saurez-vous reconnaître évidemment cette phrase, cette musique? Je ne sais pas. Peut-être. Ça n'a pas de frame? Non, ça va. Tout va bien. Il est pas là, Dudule. Dudule, si t'es là, dis-le moi. Mais je sais plus s'il l'avait fini en stream DQ. Je m'en rappelle plus. Non, on passe par là. On va se faire chier. Je me souviens pas. Je sais plus s'il l'avait fini. Parce que moi je suis sûr de ne pas l'avoir vu, ou en tout cas quand il y a joué. Justement, je voulais pas regarder pour ne pas me spoiler. Je sais qu'il l'a streamé. Mais je sais pas s'il l'a terminé en live. Enfin, vu qu'il termine plus de jeu maintenant. Quoi, j'ai vu là, donc, du coup il nous a dit qu'il avait acheté un nouveau jeu. Enfin c'est le... C'est le Call of Cthulhu de... Merde. Comment il nous a dit? Le Call of Cthulhu de... Je sais plus. Merde. Putain. Pareil, il serait là, il pourrait me dire, mais... Je me rappelle plus. Il a dit qu'il le streamerait peut-être. Moi, j'attends de voir. Je crois que ça devait être un RPG ou je sais plus quoi. J'ai plus le souvenir. Ah. ロマンチックじゃない?もうすぐあのステージの上に。だ、見て。ねえ、あなたたち、ヤヒムちゃんの顔も見たいし、さえずり、その代わり、あなたと神ちゃんにコンテストの場所取りをして。サクレシルバン。めんどくさい仕事は全部男任せかよ。 Ok, on va save peut-être avant.
c'est vrai. Merci, Véronique. C'est rare d'avoir une église comme ça, comme un bâtiment normal, classique. Ah, j'ai eu peur en fait tout à l'heure parce que quand j'ai commencé à jouer sur la Switch en fait, bah, je joue avec la manette 8-8-2 là, donc en Bluetooth, et je commence à jouer plus de batterie. Je me suis dit, ça va être la merde. Bon, même si j'ai l'option des Joy-Con, mais j'ai pas foncièrement envie de jouer avec. Moins à l'aise, mais ouais, je fais oulala. Puis en fait, ils peuvent recharger en même temps que tu joues, donc ça va. Vu que j'ai la Switch juste devant moi, c'est cool. La petite frayeur de pré-stream. Mortal Splendid. Putain, cette mèche rebelle, ce perso de... Ce perso de Fire Emblem, Alta, n'est-ce pas? Jean de Mondolier. Ah bah il est totalement Fire Emblem compatible. Hein. Aïe, ça y est, il fout la merde. Et merde. Putain. Ça y est, des casse-couilles. Typique de FF, carrément. Totalement ça. Ouais, ouais. Ah, baston. Ouais, quand même. Bon, ben, on va brûler. Même toi déjà. Allez, un petit sort. Évalue la situation. Oui, c'est bien. Évalue bien le temps. Ah, quel con. Je vais faire bang, putain. Bing, le... Ah, hop, voilà. Je dégage. Oh, encore un bon. Voilà, un deuxième. Et après, je vais garder, je pense, un peu de magie. Parce que je pense qu'on va s'affronter l'autre juste après. Re-Kenny. Je suis tombé dans une embuscade. J'étais recherché par la grande couronne du royaume et ils m'ont retrouvé alors que je re-rentrais en ville. Les salauds. Bon, je les ai défoncés, mais quand même. Il reste le chevalier typique. Ah oui.
Matinasai! Ah merde. Atashi no nakama ni oita suru ko wa oshioki yo. Oshioki. Évidemment. Oui. Ah non, mais le gros prof de JRPG, hein. Voilà. On arrive à se faire trouver, on veut nous casser la gueule. Qui sont ces imbéciles? Ah bah oui. Hola hola. Bonjour Alain, sort comme ça. Ah, t'es sur Borderlands, le 3 je suppose. Tiens, t'es bien discrète. Ah oui, y'a plus personne. Tu t'es fait baiser. La discrétion. T'as la mèche rebelle. Non, Eric. Mon père Eric, bordel. Salaud. On te retrouvera. Ah d'accord, ils font des patrouilles maintenant. ここまで来れば大丈夫よ。みんな。でも神様が捕まっ。大丈夫よ、セイニャちゃん。それにしても訳わかんないわね。悪魔のこのあなたが邪悪の神ちゃんを倒すってどういうこと？この方はデルカダール王国から災いを呼ぶ悪魔の子、シルビア様にはいずれきちんとお話す。いやあね。 そんなこと気にしてないわ。初めから彼は悪い子じゃないって分かっていたもの。シルビアさん。そんなことより今度はこっちから動くわよ。putain、il est prêt à faire la bagarre。街の中に。でも建物まずは街の真ん中にある大きな橋の上からカミちゃんの様子を探ってみましょう。さあ、宿屋からやりたいに行くわよ。 Oui. Alors. Je suppose qu'il faut esquiver. Ah oui. Il y a des mecs. Il y en a un autre. Il y en a deux. Ah oui merde, par contre, s'il est en rouge, je vais rien filer. Sora! Il attaque tout seul. Ah oui merde, j'ai pas remis de tactique. Tactique. Gambarwa! D'accord, ok. Serena, tu vas nous faire une petite tornade. Point, point,
Accélérant, accélérant, décélérant, ok. Solo d'enfer. Choc brutal. Otanoshimi, itadaketa kashira? Ah, une petite pause jojo de. De Mister. Ah, est-ce que je peux entrer? Yes. Pourquoi vous avez peur? Ne vous inquiétez pas. Je ne suis que de passage. Est-ce qu'il y a les bateaux? Ok. Merde, je crois qu'il était derrière moi. Putain, con. Le con. Décède de décès, merci. Maintenant, on va récupérer des PM. Ting. Oh, Sylvando, la classe. Ouais, 21, épée pour l'air fouet, souplesse. Je l'aurais bien au fouet. Charisme. Ah, faut que je débloque. Okay. Nos fouets. Okay. Ah merde, putain. Belle baise. Pas vu. Ouais, ça pourrait être intéressant. Il est ultra rapide aussi. On va voir. Je vais mettre le fouet d'épine, on va rigoler avec. Il y a la classe. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Brassard d'or et. Merde, putain. Abusé. Psy Bang, la même blague depuis 3 mois. Vas-y, attaque. Voilà, comme ça, ça attaque tout le monde, c'est pas plus mal. On va terminer avec une tornade. Keblo.
faire. On va poursuivre par là. La petite save, évidemment. Hop là. J'ai baisé. Putain, la tardée. J'ai perdu. Évidemment. Son partiel, ok. Confusion, ça c'est cool. Non, 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 je ne veux pas te voir. Il n'y a rien d'autre. Merde, merde, merde. Pas de bang. Voilà. Tornade. Soixante-cinq, putain, mais sans déconner. Les coups critiques du diable. Ok, donc normalement, il doit y avoir un câble. Voilà, c'est ça, c'est ce fil-là. Oh putain. Alors, c'est... Est-ce qu'il fallait passer en dessous? Peut-être. Non, on peut pas. Là, ça s'ouvre pas. Ici, peut-être. Oh putain. Les relous, les relous. Je pense qu'on peut pas sauter là, non? Ça est bloqué. Si, évidemment, on ne peut pas. Ah. Bon. Bah bonne nuit, Kane. Bonne nuit, bonne fin du stream. Je crois que c'était un merci d'être passé, et puis bah, peut-être à demain. Je pense que je reviendrai sur ton stream si tu streams demain de toute manière. Et puis bah, bonne nuit, mec. Tchou tchou.
あの軍人ちゃんてば気が短いわね。そうだわ。北西のゴンドラ乗り場ここから飛び降りて町の水路沿いに。 Pas dû. Si je peux passer par là. Hop. Good. Ah cool. Juste pour m'arrêter là, je suppose. C'est good, toi tu es en train de pêcher tranquille. Easy le mec qui pêche. Bat les couilles. Il a bien raison. Il est toujours bourré. Ça va le faire. Poui, poui. Salut Francis Lalanne. Ah. Combat. Ouh, d'où l'épée. Fais pas trop de malin, sale traître. Alors. Déjà, on va diminuer ça. Ensuite. Est-ce que je peux y faire torpeur? Ce serait cool. Non. Nous, on va faire. Super accéléro. Pour qu'on agisse avant. On va lui faire décélérer lui. Voilà. Ça pique. Ça pique. Donc en fait je peux le faire qu'une fois, ça ne sert à rien de le faire plusieurs fois, ok. Je vais commencer à taper. Bam, 40. Soin régulier. Ok, soin régulier sur la Nice. Voilà. Je vais la soigner. Ah, pas 25. Hop. Ok. Bon, vas-y, on va essayer de... Ah, il bloque. Bon. C'est déjà ça. Soin régulier sur Carmo. Illusion, tiens. Oh, ça passe, il est pas affecté. D'accord. Bah tu vas taper.
ouais, c'est bien magique. Le sort critique, très bien. Je vais me soigner tranquillement. On va lui refaire une petite altération. Hop, voilà. Pas mal. Hop. Ça c'est une bonne idée. Ok. Ah bah bon. Bing. On va bourrer. On va bourrer, bourrer. Petit bang. Genre t'apparaît. Genre tu pars toi. 21, putain la vache. Ok, vas-y. Oh le 128. 128 il passe bien. 2000 points d'XP. Ok, 2000 pièces d'or. Impeccable. Mais oui, comment as-tu pu? Le pouvoir de l'amitié, évidemment. Le mec hyper, mais rends-toi quand même. Sylvain tout. Mina, assistez, moda. Adieu. Porte. Coco. ずいぶん手間を取らされたが、ここでおとなしく私に捕まるか。褒める。La lune。Oh putain la vache。Qu'est-ce qu'il prend ? N'importe quoi.みんな、お待たせ。シルビア号のお迎えよ。アリスちゃん、あれが私の仲間たちよ。あの、ガッチン。さあみんな。Et on a un bateau maintenant, forcément. このままでは奴らに。N'importe quoi, putain.
もう大丈夫みたいだな。ça va tellement il dit bon dans F4. Non, ah oui, il y a un problème. Bargle, argle, argle. Nani, le fameux Nani. さあクラーゴンよ、思う存分その船をいたぶり。あいやいやいや。こっちに来るでげす。足山だ。死にたくねえだろ。なんだこの音は。ほら。des navires。De Zeus. Allez voir, dans Harun et nos sources. Ça tire des boulets. Adieu la tente à pieuvre. Reste où tu es. GG les marchands. Oi. Oui. T'as la même voix que dans. Yokatta, gobuji na yo desu ne. Dans Wind Waker, quoi. Ano mamono wa kono atari no umi o yoku arasu koto de. C'est Molto et Tyrante, mais oui. C'est pas des feux d'artifice plutôt. Bah, c'est vrai que leurs boulets ils éclatent un peu bizarrement. Mais bon. On dira, c'est une technique de la Switch. Et oui, t'as retrouvé ta voix. Il bambino, il m'a tout raconté, il m'a dit qu'il m'avait soigné. Ce sortilège, tu vois. Scusa, Michie. Horrible. Ces personnes qui parlent comme des Italiens. Tu l'entends d'ici. ありがとうございます。Et évidemment, Yamete Kudasai pour Chidori-san. Et donc, Sylvain Rondeau nous avait pas menti, il avait bien un bateau à lui. Mite, kirena asahi yo. Marude. Soyeba Alice-chan, nijiro no eda o katta shounin nitsuite, nani ka ashidori ga tsukamete? ええ、足の聞いた話だと、その商人はバンデルフォン地方へ向かったそうでげすよ。ズワード。確かに。シルビアのおっさん、あんたい。それじゃあみんな、世界の海を股にかけて、虹色の枝を探すわよ。まずは北東のバンデ。おろろ。おろろ。Est-ce qu'il me reste du café ? Je suis pas sûr. Eh bien, bonne Mister, Mister Alta. Et puis à demain, si jamais je stream. Ah non, oui.
demain sera jeudi soir, je streamerai. Tu auras la suite de ce fabuleux Dragon Quest 11. Bonne nuit, merci beaucoup et merci d'avoir été ici également. A ciao. Décerné pour avoir embarqué à bord de l'étalon des mers. Et cette fois, c'est pas l'étalon du cul comme dans Borderlands. Hein. Non, l'étalon des mers. Grignote pas, mais non, c'est juste du café. Mais, j'ai quand même le petit chocolat. Hein. 85% Pérouve. C'est bon. Ils ont ajouté un multi en ligne sur Mario Maker, sérieux? Ah, Madame Carzo sera contente de le savoir, on lui dira non. C'est une bonne chose. L'heure est venue pour les marins d'eau douce de prendre la mer. Vous pouvez amarrer les talons des mers partout où une icône d'encre figure sur votre carte. Lorsque vous êtes prêt à reprendre la mer, adressez-vous simplement à Gondvalo. Au nord-est, ok, Svardust. Non, je suis trop tard, jamais. Jamais. Non, là d'ici un peu moins d'une heure, je pense. Un peu moins d'une heure. Là, il y a une île. On est où ici? D'accord, Svardust, c'est là-haut. Ok, mais j'ai envie de me mettre là. Donc, vas-y, on va débarquer là. On va voir ce qu'il y a. C'est gentil, en tout cas, Alta. Insula Australis. Est-ce que je vais me faire casser la gueule par des monstres qui sont pas à mon level? Oui. Je ne sais pas si je n'y vais pas. Alors, ah, il y a les vieux qui font peur. Il y a des gobelins. Et du ta 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 ta. Alors, ça... Bang. Et deuxième bang. Bang bang. Elle prend trop vite, trop cher. On va refaire un bon. Elle prend ça, voilà. La vengeance. Yes. Oh, bah lui tout seul. Il boude. Alors, pas l'air d'y avoir grand chose ici, et tout à gauche. Un bain de algues. Médaille? Non.
Livre de recettes, bague du monde entier. D'accord, bague de choc, bague d'agilité, bague de prière. Ok. Alors, est-ce que là-bas il y a quelque chose? Donc, ça, ça va être un nouveau truc. Ok, donc il y a un coffre ici, donc on peut pas l'ouvrir maintenant. Peut-être plus tard. Et ici, parfait. Peut-être changer les ennemis. Changer les. Je vais pas mettre prendre Eric. Je vais te prendre Sylvando. Pour les groupes de monde, ça sera plus intéressant. Oui. Sac de litière. D'accord. D'accord. Rien de spécial ici. Ici non plus. Ok, bon, on retourne au bateau. Nous allons retourner au petit bateau. À Gonzalo. Oui, les talons des mers, en avant. Alors, bon, on va se diriger vers la... là où on doit aller. Un temple ici. Donc je pourrais m'arrêter là aussi. La côte d'émeraude. Allez, on va aller voir vite fait ce qu'il y a par là-bas. Alors, ah d'accord, bah je reviens ici. Ok, d'accord, je vais pas certain que j'y traîne. Ok, en fait on est revenu ici. Je comprends mieux. Eh ben hop, en avant. Oui, c'est là le tertre du roi. Non, ici c'est là où on s'est fait courser et le. Comment ça s'appelle? Le TP. Oh! Qu'est-ce donc ça au milieu? Ça m'intrigue. Ah! Un petit combat! Partiel sur Sylvan. Arigato. Arigato. D'accord. Ça manque de dégâts. Oh, yeah. Ça pique. Un petit gang. Ils envoient des bonnes patates, hein, la vache. Ils font mal. Un peu moins.
じゃないの。やったわ。OK。Ça, qu'est-ce que c'est ? Ça ne servira à rien pour l'instant. D'accord. Ah, il pleut. La pluie. Zwardrust. Zwardrust. Voyons voir. Alors, bonjour monsieur. Faites gaffe en ce long voyage, tu as de la chance, tu sais trop, tu tomberas très vite sur une auberge, tu pourras te reposer. C'est très bien ça. Dans la cabane, il y a peut-être des petites choses. Allons voir. Hop. Alors, bonjour. Dans le temps, Zwardrust, on sera. C'est surnommé le royaume des fleurs. C'est un endroit magnifique. Malheureusement, les monstres se dragent et ont tout détruit. Il n'en reste plus rien, mais c'est une ville aussi majestueuse qu'Héliodore se dressait ici autrefois. D'accord. Alors moi, je continue à tout péter, voilà. J'ai tout compris. Fiole de magique. Ok. Bon. Derrière, il n'y a rien. Ah, ah. D'accord. Ah oui, c'est resté sur la musique de DQ. C'était bizarre. Merci. Ah, la me vache. La me te haut. Alors. Tintadam. Oh, il y a une bande de gluants là. Non ? Ah non. Bing, merde, j'ai tapé le truc d'à côté. Je suis dans le champ. Confusion. Oh merde. Un petit coup de bang. Ça me... Ah bah merde, du coup je suis endormi, putain. GG Sylvando. Et GG Serena à l'anathème. Ouais, je vais utiliser peut-être pour Sylvando, du coup je vais le foutre en fouet. C'est peut-être intéressant. Puissance d'attaque au fouet, évidemment. Fouet étoile. Attaque un groupe d'ennemis à l'aide d'un fouet à la luminosité aveuglante. D'accord. Et lien de l'amour. Attaque lancée sur un groupe d'ennemis pour infliger des dégâts importants aux adversaires humanoïdes. Intéressant. Charme plus 10. Claquette. Claquette, putain. J'ai tellement envie de le voir. 10 points, 10 points, 7, et après on a quoi? Flagellepsie, ça peut être pas mal, ouais.
Charme ou claquette? On va garder pour le moment. Moi j'ai 13 points. Non, je voulais ça, 12. Ouais, comme ça j'ai le truc métal. Et ça je ne sais pas. Coup miraculeux. Tout en guérissant les blessures de l'utilisateur. D'accord, 16 points. Ok. On verra plus tard. Ok, on va faire le tour. Une dit-elle. Battre moi les... Hop là. Merde, c'est pas des ennemis. Ah, il y a un filon là-bas. Ok, minerai d'argent, etc. etc. Calme-toi, Sylvando. Je voulais voir les... Bon. C'est qui lui? Bah, c'est pas le boss du... Notre premier boss, c'était pas eux. Je me demande... Putain, 19. Bang, bang. Les griffons, il me semble que c'était le premier boss dans la démo. Il me semble. Cyclone. Pas mal. Fais-nous un petit banc des familles, les Urika. Papa, papa, papa. D'accord, tu soignes en plus, petit con. Voilà. En plein dans le point faible. Serre tordu. Serre tordu. Ok. Pouet, pouet. Merde, putain, j'ai pas tapé. J'ai pas tapé. Lui fait chier. Ouais. Je vais te défoncer d'abord. Il soignera pas. Petite tornade. Petite tornade.
Et on va aller dans le puits. Toujours des items dans le puits. Mini médaille, un truc. Alors. On va commencer par aller en bas. Enfin, au sud plutôt. Minerai d'or. C'est tout. Ok. C'est tout. Oh. Ils sont pas cool, hein, avec les puits pour le moment. On n'a pas été de ouf. Mais bon, c'est ainsi. Toi. Bienvenue au repos du guerrier. L'auberge où les aventures de tout tel rêve tu te poses et partages leurs anecdotes. D'accord. Ah, alors tes articles. D'accord, pour l'instant rien. Ah oui, si l'épée, mais non. Fouet de combat. On va t'acheter un fouet de combat. Ah, Sylvando. Hop. De fer, turban. J'ai pas un turban qui traîne. Homme de fer, ouais. Bon, ça, je peux en faire un à la rigueur. Cap de cuir. Plastron de cuir. Non, de fer. Armure de fer. Puissant. Ah, carapace d'un joli petit animal reptilien. D'accord. Donc, je peux récupérer des items ici qui vont me permettre de fabriquer des armures. Ok. Oh, une quête. Les ruines de Swordrust. Swordsrust. Oui, mais on peut toujours essayer. Récite le raison de la guérison avant de les vaincre. Ok. Donc faut que je fasse avec moi. Non. Si moi et. Zut. Et Serena, ok. Tristan le roi guerrier, c'est là que Sir Andric a vu le jour. Ah, donc c'est la patrie de Sir Andric. Je vois le genre. Alors Sylvain, t'as rien d'autre. Mais si on a un turban. Après on a rien d'autre. Pas de tenue. Non. Ding, ding. Ok. Bon, ben, c'est parti. Tic-tac, tu tombes à pic, monsieur l'éclairé, juste en trouvant un mot de passer 2 secondes à peine ton arrivée. Ok. Alors c'est pour lequel tout à l'heure on a eu pour le DQ 9. L'hôtel du salut. Je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus. Alors voyons. Un bouquin. Zordust, un royaume en ruine. Un royaume de Zordust, désormais un temps anéanti, était autrefois gouverné par un jeune roi, par le jeune roi Arnulut. Un homme si brave et si noble que ses sujets l'appelaient le lion à la crinière d'or. Le roi Arnulut était très aimé de son peuple et il lui rendait bien. Il avait formé un ordre de chevalier de véritable parangon. Ah, Diablo 3. De force et de talent afin de protéger ses citoyens et ses frontières.
mais son glorieux règne fut interrompu de façon brusque et tragique. Des monstres lancèrent un jour un assaut aussi violent que soudain. Les chevaliers lancèrent la contre-offensive avec à leur tête le roi Arnaut. Hélas, leur héroïsme fut vain et Zoardest finit par tomber. Certains disent que la puissance croissante de son armée avait effrayé les monstres, les poussant à attaquer. Mais la vérité demeure un mystère. Il ne reste désormais que quelques ruines de ce royaume jadis prospère. La nuit, le bruit du vent soufflant dans les vestiges ressemble à la complainte du roi disparu. Triste souvenir de son funeste destin. Ok. On va save. C'est pas plus mal. Ça fait presque une heure que j'ai pas sauvegardé. C'est chaud. Ok. Alors avant, on va monter, on va fouiller les chambres. Là, il n'y a rien. Ici non plus. Ici non plus, ok. Oh, un barde. L'orbe violette. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce que j'ai? Ah, un bouquin. Et des trucs à péter. Ok. Alors, deuxième bouquin. Ah, c'est la recette. Forgée avec l'acier. Perche d'acier, croix d'acier, bouclier d'acier, aume d'acier, armure de plate. Cool. Une porte rouge marquée d'un symbole étrange m'interdit d'accéder à la prison, elle ne serait qu'avec une soi-disant clé magique. Ah, donc c'est ici qu'on va découvrir comment ouvrir ces putains de portes rouges. Ah, le tournoi d'arts martiaux masqués à Octogonia. J'aurais peut-être dû enfiler un masque pour filer la correction qu'il mérite. Sympa. Visiblement ici, ça serait la coup d'octogone. Voilà. Comme les rappeurs de chez nous. Ah, une mini médaille, cool. Bon, on va aller faire le repos. Hop. Passer la nuit, évidemment. Il manquerait plus que ça. Ok, on va re-save. Ah, je suis pas passé à côté là, je crois. J'ai déjà 15 heures de jeu. Putain, j'ai rien foutu encore. Super. Ok. Au côté d'éclairer. D'accord, donc une personne importante. Alors la carte. C'est quoi ce truc? Les escaliers. Visiblement, il y a un truc par là. Ouais, je le vois à travers ici qui brille. Mais comment y va-t-on? Y a-t-il une porte? Oui, on ne peut pas y aller. Donc à mon avis, il faut sauter du balcon. Ok. Sautons du balcon, voilà, évidemment.
En sprint, à mon avis, je saute d'un coup. Okay. GG15, morceau de Bionix. À ne pas confondre avec un morceau de Bionic ou de Bionis dans. Donc Xenoblade Chronicles. Ok. Il m'a envoyé tranquillement. Tranquillement, mais en courant. Pas le temps de niaiser. Alors, qu'est-ce qu'on parle là? Mais non! D'accord, les golems, yes. La magie, ça marche bien. Tornade. Le niveau 20. Non. Hop, je le savais. Dans la gueule que j'ai pris. Fâche. Ok, c'est ces trucs là. Il y a un coffre là-bas. Ici, mais je ne peux pas passer parce qu'il faut cette putain de clé. D'accord.
fait, ce sera pareil. J'ai pas le temps de parler. Merci. Ça, c'est un autre symbole. Ok, bon. Donc, c'est pas là pour nous. Si je suis pas trop con, la région de Fordrassil, c'est là où je viens du début du jeu. Si j'ai mes bons souvenirs. Hop, dessus. Tadam. Coagulant. En face. Bim. Allez, dans l'arbre. On va secouer l'arbre. Alors, oui. C'est pas suite, putain. D'accord. Octogonia est là. Fordrassil. J'étais pas passé ici, ok. Bah on va aller vers Octogonia et puis après on verra. Puis après je pense qu'on s'arrêtera là. Aveugleman est de retour. Qui est un peu plus. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ne soit pas sur le gros caillou au milieu. Hop. C'est bien ça. Tour de Saint-Hierbe. J'avais pas vu. Saint-Hybri, Saint-Hierbe. Non, non, non. Ok. Bing. Un groupe de bourreaux. Hi-ya!
de quoi. Les coups critiques de l'enfer, c'est propre. Hop là. Octo. Waouh. Là ça rigole pas. Knack est juste à côté de nous. En effet. Mine réserve. Hop, voulez, voulez, voulez. ここでもグレイグが英雄扱いされてるってわけ。ま、フォーセム。はい、かっこいいお兄。今度仮面舞踏会っていうすごい。何何?シワキ肉踊るタッグマッチ。 てっきり踊る方の舞踏会かと思ったけど、戦う方の舞踏会。屋上にあるコロシアムでやると書かれてあります。あの建物の頂上にあるので。セオ。セトレオ。 Hop, nous on va aller. Je pense que c'est. Eh ben j'ai mal pensé. Excusez-moi, hop, je m'invite chez vous. Un placard. Pas de bête magique. Bri, bri, bri. D'accord, c'est ici. Hop, et on va sauvegarder là et s'arrêter ici. Hop là. Voilà. Bon. Pas une petite chose. Est-ce qu'on a du monde qui stream? Une noop, à moins qu'il y ait Yami, peut-être. Mais non, merde, zout. C'est pas grave. C'est pas grave. On fera un petit os demain à Kane et puis c'est tout. Donc nous, on se retrouve demain soir, vers 21h, comme d'habitude, pour la suite de Dragon Quest 11. On essaiera de voir ce qui se passe dans l'octogone avec Booba et Karis, hein, visiblement. et puis voilà, on verra ce qu'il y a à faire. Merci de passer les gens,
Et merci d'avoir discuté. Et puis, bonne soirée, bonne nuit. Et à demain. Ciao, ciao.